La messe d'aujourd'hui sera dite d'une manière spéciale en action de grâce pour notre cher frère William Jean-Michel qui a célébré 100 ans de l'Église de Dieu sur terre. Frères et sœurs bien-aimés, commençons cette Eucharistie en reconnaissant tous que nous sommes pécheurs. Fermons les yeux, tout le monde, et inclinons-nous. Entrons dans le silence de nos cœurs et demandons pardon à Dieu pour retour nos péchés. Continuons à demander pardon dans le chant du Kyrie. Thank you.
apôtre Paul qui sait pour Philippiens. Frère, moi je considère tout bagaille comme de l'art. Peut-être Jésus-Christ, grand-mère moyenne, qui dépassait tout bagaille. Peut-être lui, moi je considère tout bagaille comme des lacrymons. Moi je considère autant que ça. Pour me capable de bien Jésus-Christ, pour le joindre moi dans la vie. Ça me paquet. Justice pour qu'il sorte dans la loi. Mais justice, qui sort dans ma foi, Jésus-Christ. Justice, qui sort dans mon Dieu. Justice, dans la foi, pour me capable de connaître Jésus-Christ, ni force levée devant l'homme, pour m'associer avec souffrance, pour me sembler avec la mort. Pour me capable de vivre, ça ne va ça pas fini, moi, déjà. Moi, déjà, bon, non. Mais, ma continuer pour essayer, pour bagager ça, même genre, Christ a fini de prendre. Je ne vais pas contribuer avec mon déjà vu. C'est une seule valeur. Je vais me ça derrière. C'est ça que ma femme aussi. Pour mourir dans le dernier point. Pour une belle récompense là, côté bon de l'éternel, dans Jésus. Ça, c'est parole de Dieu, comme elle là, il plaît pour vous. Merci, mon Dieu, merci. On va nous camper pour la graver et vous aussi. Jésus s'était rendu au mont des Oliviers. De bon matin, il retourna au temple de Jérusalem. Comme tout le peuple venait à lui, il s'assit et se mit à enseigner.
Les scribes et les pharisiens lui amènent une femme qu'on avait surprise en train de commettre l'adultère. Ils la font avancer et disent à Jésus, « Maître, cette femme a été prise en flagrant délit d'adultère. Or, dans la loi, Moïse nous a ordonné de lapider cette femme-là. Et toi, qu'en dis-tu ? » Il parlait ainsi pour le mettre à l'épreuve, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'était baissé, et du doigt, il traçait des traits sur le sol. Comme on persistait à l'interroger, il se redressa et leur dit, « Celui d'entre vous qui est sans péché, qu'il soit le premier à lui jeter la pierre. » Et il se baissa de nouveau pour tracer des traits sur le sol. Quant à eux, sur cette réponse, ils s'en allaient l'un après l'autre, en commençant par les plus âgés. Jésus resta seul avec la femme en face de lui. Il se redressa et lui demanda, « Femme, où sont-ils donc ? Alors, personne ne t'a condamné ?» Elle répondit, « Personne, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Moi non plus, je ne te condamne pas, va, et désormais ne pêche plus. » Proclamons la parole de Dieu. Ouais. Le monde condamne.
aie pitié pour nous. Parce que le jugement de Dieu a tombé sur nous. Ouais, souvent que nous ne nous rendons compte de ça. Nous pouvons penser que les gens vont faire, mais je n'ai jamais allé jusqu'au bout. On le privé, Abraham dit, ayez pitié pour celui qui vous condamne. Parce que c'est pour le même temps qu'on est sans parler de justice divine. Il y a un peu de monde dans la Bible, et qui t'a essayé de faire même erreur. Et sous la Bible, qui s'est privé, il y a eu le bataille, il y a eu le sang. Et pourtant, le côté de la rivière, c'est très douloureux. Alors là, personne ne va venir délivrer, on va mener de l'air. Et ça fait, plutôt les hommes calés, parce que bon Dieu calé. Plutôt on toujours marcher droit dans la vie. Pour moi, j'avais dans une situation où c'est bon Dieu qui va régler. C'est ça que fait. Donc on a cherché à fuir, condamner, pour une réaction à ce qui est pitié pour lui-même. Le mot des filles avec Jésus, il va dire le langage corporel de Jésus, il va dire le bon vilain. Regardez qui ça Jésus-Christ fait. Il dit Jésus-Christ, ne fais ça, vous pénèrez, après ça, pas ça. Au lieu de Jésus-Christ camper, quand il s'en fait, il baisse. Saint-Augustin, c'est de l'attitude ça, humilité. Tout le monde dit humilité. Humilité. Où est-ce que vous condamnez? Baissez. Et ce piège, souvent, quand il y a des choses qu'on a dit, souvent, on a essayé de faire. Soit essayer d'analyser par rapport à comprendre. Sauf le texte d'hier. Et souvent, on dit que nous, on peut être dans sa vie. Donc, on sait pas qu'on fait. Face à la question, c'est humilité. Tu peux le dire, c'est humilité. Après, on fait ce qu'on peut dire. Nous avons subi condamnation de l'État. Bonjour, vous mettez le barco, Vous ne pouvez pas quitter mon œil, je vais pour le barco, aucune situation, aucune avantage, aucune fait pour la condamner de plus. Humilité, c'est deuxième attitude. Mais le troisième, et c'est le Dieu. Regardez bien qui ça Jésus fait. Regardez monsieur, vous parlez, vous dites oui, mais ça fait après. Mais Moïse, qu'est-ce que vous frasez, brisez, mais sorti. Au lieu de répondre, parce que je dis à la bien, Jésus n'est pas bon, il va être. On est longé sous mon nom. Pour la dire, c'est au lieu de accuser. Il va accuser personne qui s'en fait. Il descend de là. Au lieu de longer sous mon nom, non, il descend à terre et il commence. C'est le plus petit. Ce mouvement s'appelle la discrétion, c'est-à-dire une bonne attitude pour gagner, pour faire monde qui a collaboré entre la conscience. L'idée, au pécheur, au éliminer, il a la religion. L'idée, c'est parce que le mot est éliminé. Souvent, nous avons besoin d'une attitude de la vie pour nous faire monde notre conscience. Et pour le prouver, ça le fait. Et bien, la discrétion est importante. Parce que nous avons besoin pour nous qui a fait méchanceté pour les autres moments, pour le dire des filles. Mais mes amis, quand vous arrivez là, c'est pas pour vous arriver là. Oh, c'est pas travail pour Dieu, c'est pas ça pour Dieu. Parce que très souvent, nous n'avons jamais arrivé convertir mon œil, c'est dans le jour et le ou pas la même. Ah, il va faire fouiller. Mais bonne attitude pour commencer à poser des questions. Oh. Parce que, gagnez-vous la propose. C'est quand on est devant la propose, mais pas la qualité de la glace, non? Chaque fois qu'on a une glace, les courir. Parce que les peurs, conscience, on commence à bouger. Alors, je veux dire aujourd'hui, ayez toujours une attitude qui aide les hommes à questionner leur conscience. Parce que vous comptez vous arriver,
faut commencer à demander de Dieu. Et ça va bien. Alors, je vais vous donner un exemple de ça. Elle lit à la vente de Jésus pour 30 pièces d'argent. Mais la peine, au paquet de bagages, la peine de l'action, la peine. Et puis, elle regarde Jésus. Et le Jésus qui m'a arrêté de bras de l'eau. Jésus pour un piquant. Jésus qui a pris l'application. Il dit oh, oh, oh. C'est moi qui suis responsable de tout le ça. Et puis, pourquoi? Elle prend. Il y a un départ. Mais Jésus-Christ, il marquait la terre. Tout monsieur qui était là, il commençait à démarquer les matins. Parce que, oui, il y a fait adultère. Mais et nous-mêmes, messieurs, qui avons accusé. Et nous-mêmes, messieurs, qui avons condamné. Nous avons fait un maillot pour nous qui marquait cet été à l'éternel. Voilà, je prends un coq pour nous. Qui marquait 3 fois 5 devant Dieu, en tout temps et en tout lieu, 24 sur 24, matin et soir. Oui, il a condamné, monsieur. Mais songez, nous-mêmes, nous avons pile la gare pour nous réfugier en terre. Alors aujourd'hui, n'oubliez jamais que le Seigneur vous dit et de vous tenir debout face aux condamnations et aux accusations. Premièrement, ayez pitié pour vos accusateurs. Deuxièmement, demeurez dans l'humilité. Troisièmement, dans la discrétion, provoquez le questionnement des consciences. Parce que vous comptez de arriver, ces consciences sont seules qui parlent en gêne par les personnes qui parlent en gêne. Espérons que nous allons tous continuer à grandir dans la volonté de Dieu. Pour faire face avec fermeté, pour faire face avec courage à toutes les condamnations et accusations, et que Dieu vous bénisse. Notre du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et étant debout, nous allons proclamer notre foi. Ensemble, tout le monde, je crois en Dieu. Yeah.
prions pour Rodeline, Burtska, Pascal, Ronsard et Djemal Cécile, Jovenance Désir, à l'occasion de leur anniversaire de naissance. Nous prions également pour Marie-André Lucien, Rodney, Carl et Nathaniel Lémite, Marcus, Anaël et Marie Azor, Judith Rémy Apollon et Edwin Aguilar, afin que Dieu leur donne selon sa volonté, en accord également avec leurs besoins, prions le Seigneur.
avions le sacrifice de toute l'Église. Exauce tes serviteurs, Dieu tout-puissant, tu les as initiés à la foi chrétienne. Qu'ils soient purifiés par ce sacrifice, nous te le demandons. Ô Jésus-Christ, notre Seigneur.
le monde te demande de retenir par le corps et le sang du Christ, nous soyons rassemblés dans l'Esprit Saint dans ce corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église que tu as fait le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec notre pape François, notre Jean-Méchant et tous ceux qui prennent la charge de ton peuple. Souviens-toi, Seigneur, de Michel, de Bioniva, de Solon, d'Edner, de Georges, ainsi que de toutes les abonnées du purgatoire. Puisque tu les as appelés auprès de toi, donne-leur de participer à la résurrection bienheureuse de ton Fils. Et sur nous tous, enfin, notamment pour tous ceux qui s'élèvent au nouveau printemps, Seigneur, Frère William, Rodney, Pascal, Ronsard, Gemma, Jouvenance, Marie-André, Rodney, Carl, D'Artagnan, Marcus, Anaël, Mamory, Judith, Edwina, Tenisha, Marvin et Anne. Nous implorons sur eux, Seigneur, ta bonté, ta grâce et ta bénédiction. Permette avec la Vierge Marie, notre Dame de Fatima, la bienheureuse mère de Dieu, avec les amours et les sacrements qui ont vécu de ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange en Jésus-Christ, ton Fils, bien-aimé. En lui, avec lui et en lui, en toi, tu es Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, selon son commandement, nous pouvons dire notre Père. Thank you.
Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Thank you.
Thank you.
puissant d'être toujours compté parmi les membres du Christ, nous qui communions à son corps et à son sang. Lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Asseyez-vous, mes frères et sœurs. Attendez, frère William Jean-Michel, avancez.
Merci. Ok. Ici, notre communauté A, Sœur Marquise Tebleti II. Marquise n'a pas payé ce marquise, car petit deux mots, après il y a un nom, toute communauté chrétienne. Et dans nos communautés, on nous chante un final. Nous voulons dire, Frère William, bonne fête. Et m'appeler ce que nous avons écrit dans la plaque d'avenir. En honneur de William Jean-Michel, félicitations pour le 100e anniversaire de naissance. C'est un exemple de foi et dédication pour beauté communauté haïtienne. Bonne fête, 100e anniversaire. Merci. Merci, bonne fête encore, Frère William. Mais c'était notre mot. Dis mon Dieu, merci. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu tout puissant vous bénisse.